Allez, Laura Croth, l'américaine, avec Cédric, son cheval de tête cette fois. La semaine dernière, Ixtel, elle ne nous avait pas sorti Cédric. La revoilà, mais la nation est en péril, voilà, pour les États-Unis. Super cheval, super cavalière. Elle est privée d'un barrage à Chantilly. Elle fait un point de temps dépassé, je crois. Ouais, un point de temps dépassé en première manche. Elle a gagné beaucoup. Ce cheval, j'adore ce cheval. C'est un super respectueux, super rapide. C'est vraiment les chevaux de concours modernes qui... Elle a gagné un global déjà, je crois. Oui, elle a déjà gagné un global, hein, ouais. Et puis plusieurs fois dans le coup. C'est une top. Ouais, bah, il est toujours là, top cavalière. Numéro 21e, enfin 21e au classement mondial. Je sais pas pourquoi le ça. Public murmure. Je sais pas pourquoi. Parfois, c'est un garçon de piste traîne pas loin d'un obstacle, peut-être. Parfois. On ne le voit pas. Là, le cheval saute très bien. Allez, il est parti pour un sans faute. 8 points en première manche. 8 points en première manche. Ouais. Avec une faute, faute sur le dernier. Donc, on va pas... La ligne finale n'est pas si facile avec, avec ce double. Ouh là, c'est prêt là. C'est et cette fois, prêt. Ça passe par contre. Voilà. Pas de soucis. Sans faute pour Laura Croth. Bah les Américains, ça arrange les affaires des Américains. Les deux derniers, ce sont des piliers. Hein, entre Beatty Madden. Voilà, c'est donc.